Actualité internationale, président états-unien Joe Biden, dans conversation téléphonique, mandé premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, yon cessez-le-feu rapido presto dans région Gaza. Et force couillot a continué 24 heures après tremblement de Tessa, qui secoue Taïwan et qui la cause la mort 10 monde. Et puis en Haïti, gouvernement prolongé état d'urgence là pour yon mois devant Zach violence gang Ameo qui va suspendre. Et c'est pour ça, yo, avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour vous dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Merci pour confiance. Non? Actualité, amenez-nous d'abord dans la région Moyen-Orient ou bien ici Washington, côté que, dans le cadre surtout guerre entre Israël et Hamas, il y a un président américain Joe Biden qui parlait dans le téléphone avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et dans l'occasion, leader américain mandé pour yon cessez-le-feu rapido presto nan Gaza. Sandra Lemaire dans un reportage. La Maison Blanche publiait un compte rendu conversation. Qui ça? Le président Joe Biden te gagné avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu matin. D'après notre livre de journalistes et Napsité, président Biden mettait accent sur le fait que attaque contre travailleurs humanitaires et situation humanitaire en général dans Gaza pas acceptable. Il déclarait clairement besoin qui existait pour Israël annoncer application d'une série de mesures concrètes, précises et mesurables pour protéger civils, empêcher souffrance humanitaire et puis sécuriser travailleurs humanitaires. Il dit clairement que évaluation nous de mesures immédiates Israël prend sous étape ça pour déterminer politique États-Unis par rapport à Gaza. Il souligne que cessez-le-feu immédiat essentiel pour améliorer situation humanitaire et puis protéger civils innocents. Et il encourage premier ministre là pour bailler négociateur lio pour voir pour finaliser une entente sans perdre de temps pour otage katounen lakayo. D'un autre côté, secrétaire d'État américain Antony Blinken parlait sous frappe israélien dans le discours qui était prononcé jeudi à l'occasion 75e anniversaire de l'OTAN dans le quartier général de Bruxelles, Belgique. Now, of course, what happened after October 7th could have ended immediately if Hamas had stopped hiding behind civilians. Il dit bien entendu, ça qui t'est passé après 7 octobre-là, t'es qu'à finir immédiatement si Hamas t'est suspendu, caché derrière civils, lagué otage et puis déposé les armes. Mais Israël, pas Hamas. Israël, c'est une démocratie. Hamas, c'est une organisation terroriste. Et démocratie valorise la vie chrétienne vivant. Amen, alléluia, que bon Dieu avance. Pipis, la vie toute chrétien vivant. Jean nous dit, moun qui sauve une vie, sauve le monde. Amen. C'est force nous, et c'est ça qui fait distinction entre nous-mêmes avec terroristes. Si nous perdons respect pour la vie chrétienne vivante, pas gain aucune différence entre nous-mêmes avec terroristes. Effectivement. Pendant ce temps, l'armée Israël déclarait jeudi, l'école publiée, tout à l'heure comme ça, enquête l'imenait sous frappe qui était faite sous convoi ONG World Food Kitchen qui touillait 7 travailleurs humanitaires. Amiral Daniel Agari déclarait enquête là déroulée aux façons claires et transparentes. Il fait qu'on est aujourd'hui à nous présenter enquête nous sous incident grave côté employé World Food Kitchen t'est mouru tragiquement. C'est une organisation qui consacrait tête li pour faire le bien. Bay moun qui n'a besoin dans Gaza manger. Il était bay citoyen Israël manger après 7 octobre. Nous t'est mené une enquête en détail. Qu'en plus passé 33 000 Palestiniens qui mouri dans les amis. La map gade bagay sa ou tête mwen fait mal, oui, mes amis. Avec tout bâtiment sa ou te gen moun qui habite là dedans yo, c'est coup de bombe qui moulin yo. Et puis nous même nous gon pays nous pas nan gen. Et puis nous n'a fait salope. Chez la vie ça on avance. Conflit israélo-hamas là qui là depuis 6 mois, qui a plus passé 75 600 l'autre qui blessé d'après chiffre ministère santé publique. Gaza, publié jeudi. Ministère a pas fait différence en mort civil à combattant. Non chiffre publié yo. Mais les dix femmes actimoun représentaient 2/3 non victimes yo. Okay. Sandra Lemaire, VOA, Creole, Washington.
Merci Sandra. Même Jean avec Washington gain en pile et observateur Captain pour qui résultat ça abaille dialogue que président Joe Biden sur gain là avec premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. N'a prêté toujours une actualité à le point de vue international, les Nations Unies voyait avertissement sous violation droit timoun cap augmenté à travers le monde. Dans une réunion dans Conseil sécurité, gain ambassadeur pays Malta Vanessa Fraser qui dit situation en Gaza, Soudan, Haïti, Ukraine, Afghanistan, Yémen. Haïti a nombre on là. Oh, hey. Situation ça bayo en pile qu'est-ce que Valérie Saint-Louis depuis New York. Data gathered for a forthcoming 2024 report. Virginia Gamba, représentant spécial secrétaire général Nations Unies pour Timoun à conflit armé, t'a dit hier mercredi 3 avril là dans discours li devant Conseil sécurité à New York que Timoun à travers le monde cap vivre dans zone conflit yo, yo refusé ba yo assistance humanitaire et puis yo violé droit yo. Virginia Gamba t'a dit selon un rapport qui a sorti pendant l'année 2024 ça, données ont montré que gagné une augmentation choquant dans façon que refusé bay timounyo accès à assistance humanitaire globalement. Il t'a décrit ça comme un mépris flagrant pour respect loi humanitaire internationale qui continue à augmenter. Virginia Gamba t'a parlé pour le dire. Refuser accès humanitaire a un effet à long terme sur bien-être et développement timounio et puis il ca mener dans violation droit timounio qui gagne la donne droit à la vie, éducation et droit pour joindre plus haut niveau soins santé qui ont attendre. Li souvent empêcher timounio joindre accès à espace qui en sécurité yo. Jean yo wè sa fête dans pays qui est Soudan et pays Sahel yo. Dans quelques situations, yo identifié tout refus pour accès à assistance humanitaire qui fait les groupes armés yo ou soit organisation criminelle yo arrêté convoi camion aide yo ça qui retardé assistance que tu as supposé by timoun yo. Sans respect de la partie qui dans conflit yo pour permettre accès complet sans danger et puis sans entrave pour livraison assistance humanitaire aller la vie timoun yo bien-être avec développement yo en danger et c'est seulement écho appel nous que n'a fait passer dans salle ça li ajouté pour dire nous pas qu'à empêcher accès aide humanitaire pour Timounio. Et puis, il faut que nous renforcions la capacité nous pour nous contrôler et empêcher sa fête. Nous devons continuer à travailler là. Bon côté parle, Ted Scheiben, qui est directeur exécutif adjoint Fondation Unie pour Timounio dans UNICEF, t'a adressé lui-même tout conseil là. Il te fait remarque pour dire Yon manque accès à services humanitaires créer plus gros vulnérabilité et augmenter l'autre violation sous droit Timounio. Timounio, c'est le premier monde qui souffrit et c'est eux-mêmes qui pourraient porter conséquences humanitaires pendant longtemps. Parti concerné a une responsabilité légale et morale pour assurer Timounio accès à services humanitaires. Ted Scheiben, directeur exécutif adjoint Fonds Nations Unies pour Timounio, a demandé aux États membres pour renforcer et protéger droit Timounio à accès à aide humanitaire. Dans la capacité comme président Conseil sécurité pour mois avril 2024, ça, ambassadeur Vanessa Frazier, représentant permanent pour pays Malta dans les Nations Unies, a adressé les reporters après que la réunion Conseil a été finie. Il a dit Situations in Gaza, Sudan, Haiti, Ukraine, Afghanistan and Yemen are of urgent concern. Situation en Gaza, Sudan, Haiti, Ukraine, Afghanistan ak pays Yemen by gros inquiétude et yo besoin plus assistance en urgence. Si moun yo manke gen accès ak manger, médicaments ak d'eau, ça qui la cause malnutrition ak propagation gros maladie. Et à long terme, ça prend tout des conséquences graves sur le développement et bien-être timounio. Dans ce sens, ça, nous demandons toute partie pour respecter obligation yo en bas loi internationale. Loi internationale droit moun, loi internationale réfugié yo. Puis immédiatement, mettez fin et empêchez violation grave qu'a fait contre timounio. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Merci. Merci Valerio Saint-Louis, ou sous VOA Creole, ou suivi un programme dans langue créole haïtien. Élection aux États-Unis dans un petit moment. 2024, là, c'est année électorale ici aux États-Unis et puis question immigration illégale. C'est un sujet important dans l'élection Sayo qui est fixé pour 5 novembre 2024 d'après sondage. Jean-Robert Philippe, et Fon dit que dans question immigration, Jean-Robert, et t'as semblé que eh ben deux candidats yo, en parlant de président Joe Biden avec ancien président républicain Donald Trump, yo pas avec question immigration même gens et même dans campagne yo pas gagne même approche sous question immigration. Ça intéressant. Effectivement, j'en dis à Jacqueline, eh bien même avant parti démocrate avec parti républicain
Haïtien désigné officiellement candidat qui a représenté dans l'élection présidentielle novembre. Eh bien, ça va empêcher que candidat pressenti, puisque il y a l'autre candidat qui n'en coûte encore dans deux parties, excepté Joe Biden dans le camp démocratique puis Donald Trump dans le camp républicain. Eh bien, il y a déjà commencé campagne même et il a commencé à parler exactement de un grand point qui a devenu campagne là en parlant de immigration. Dans l'élection primaire à Wisconsin semaine ça, immigration illégale c'était un parmi sujets qui plus important pour un pile électeur tant que Scott Lederman qui c'est un contracteur. Immigration, inflation, immigration, inflation, droit pour la vie, bon, c'est trois gros questions pour moi-même. Lederman t'a voté pour candidat républicain Donald Trump dans l'élection 2020 et il dit Anessa l'a voté pour lui encore. Candidat parti républicain Donald Trump déclaré dans un meeting populaire dans Wisconsin, il paraît pour faire plus gros quantité de déportation dans l'histoire des États-Unis pour débarrasser pays à ça considéré monde danger. They're sending prisoners, murderers, drug dealers, mental patients. Vous voyez nous prisonniers, assassins, marchands de drogue, monde qui gagne problème mental, terroristes, puis mauvais monde a vienne joindre nous dans pays à journée jeudi à. Yo sorti Congo, Yémen, Somalie, Syrie, tout côté sur planète là. Yo vini pour changer et détruire pays noir. Un dernier sondage Harvard Caps Harris fait indiquer question immigration important pour électeurs américains yo côté plus passé yon tiers nan moun ki répond question yo mettel avant économie crime avec soins santé. Président Joe Biden qui se candidat parti démocrate là déclaré on my first day in office as president I introduced a comprehensive plan to fix our immigration system. Immigrants contribuer dans économie américaine et yo pas animal dangereux. Aïe, 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 moi, mes politiques, là. Politique, là, fait soi, là, papa, ici. Ça dit le pas dans l'immigration, l'autre, là, dit le dans l'immigration. Mais, sauf que ça me connaît. L'autre, de ces démocrates, qui n'ont tête les États-Unis d'Amérique, toujours y plus de déportation que républicain. Ah, nous clés sous ça. Nous clés sous ça. Toujours y plus. Bon, m'a connaît, comme Trump dit, l'annoncé, puis déportation dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Mais, dossier immigration, nous connaissons business lié, business, by bout politique, business lié. Ça dit le bavle migrant, ça dit le migrant. Les migrants débarquent, ils viennent travailler dans le pays, ils payent taxes dans le pays, ils font tout le bagage dans le pays, l'argent dans le pays, ils contribuent à l'économie, tout ça. On avance, oui, nous connaissons un pile criminel, vrai. Même la caille, nous, mais prison cassée. Bon, faut vous mettre principe la caille, et nous pas capable. Contre tout, on avance, c'est bien. Chaque monde qui bout de pas, c'est vous pour mettre principe là. Oui, tant que l'adversaire voulait faire comprendre. Dans le premier jour, madame, non, comme président, moi, je soumettre un plan global pour ranger le système immigration, mettre sécurité sur frontière, offrir le monde de la caille à la famille. Ça, c'est pas l'homme mûr. A pas gué l'homme mûr aux États-Unis d'Amérique, ça sont blanc mûr. Aïe, aïe, aïe. Donc, Clotty, ça sont blanc mûr. Intéressant. Yo travaille nan fait mieux avec travail essentiel. Yo, yo moyen pour yo vin citoyen américain. Yo tout te aidé pendant pandémie et yo fait partie communauté a. Différence entre nous-mêmes avec Donald Trump, c'est que nous connaît qui moun nou ye comme américain. Supporter Donald Trump yo rappelé engagement li te pran dans l'élection 2020 pour le monter yon mirage sur frontière États-Unis partagé avec Mexique s'il passait dans l'élection novembre 2024 là eh bien li pral bay garantie pour le fin construire mirage ça. With your vote I will seal the border, I will stop the invasion, I will end the carnage. Avec voix nous m'a barré frontière, m'a mis fin à massacre là dans la rivière sans cap coulé à assassinat yo. N'a cabinet raquette cap fait trafic moun yo. Le tribunal d'appel États-Unis tendait mercredi 3 avril là avocat gouvernement fédéral là avec avocat état Texas sous loi qui bat état avec juge de droit pour déporter immigrants que suspect comme quoi je t'entre dans état sans autorisation. Président Biden déclaré bah association magistrat américain yo gagne un plan qui gagne support deux parties dans congrès pour améliorer sécurité sur frontière pour gagne plus juge avec agent qui responsable asile.
ak aparey sofistike pou detekte drog. Chanm depite a, ki republiken yo kontrole, gen problem avèk proje lwa a koz Donald Trump ki gen problem avèk li. Sena, ki demokrat yo kontrole, pa fè proje lwa avanse non plus tou. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci, garçon. Donc, c'est un pile réunion qu'a fait et campagne a fait, bien que ta couche Robert soit dit là, pour qu'on gagne candidat officiel. Mais tout porte à quoi, tout est signe montré que, eh ben, nous pourrions gagner. Ils ont l'autre face à face entre président Joe Biden avec l'ancien président républicain Donald Trump. N'a pas entré dans l'actualité à concernant pays d'Haïti. Eh ben, il y a un gouvernement qui prolongeait état d'urgence là. Pou yon mwa devant zak violence gang armé ah bon? Ki pa suspend nan peyi d'Haïti nou gen sou plas nan Mais ki yon mete l droit an yo fini Emmanuel Emmanuel Gouvernement haïtien annoncé mercredi soir nan Bon ki kote yon caché pou yon mete not sa de yo c'est sorti pou yon sorti vin mete l dehors oui parce yon pa ka caché pou yon mete ta d'urgence pa ou sorti pou yon vin bala pou plat Kadou pays son chef, on avance. Communiqué, li prolongé état Ijoslan dans le département de l'Ouest, côté capitale haïtienne, n'a trouvé la partie jeudi ça et jusqu'à 3 mai cap vinila. Autorité yo décidé tout prolonger période couvre-feu sur so ensemble département de l'Ouest là à partir de mercredi jusqu'à 10 avril. Mezi sa yo pran nan lide pou retabli lòd et pran divers lòt mezi pou repren kontrol situasyon an. Se sa gouvernement fè konnen nan yon komunike ki pote sinyati premier ministre pou yon ti boutan Michel Patrick Boisvert. Kouvre fè an ap antre an vigeur a pati de 7h nan soare pou rive jiska 6h nan matin. Mezi sa li pa valab pou ajan fòs lòd yo, pompye, ambulansye, personel medikal ak jounalist ki klèrman identifiye. Pendan peryode etat dijans lan, tout manifestasyon sou voie publik la interdi la jounen tankou la nuit nan depatman lwes la. An konsekans, la polis lan resevwa lòd pou itilize tout mwayen legal li gen a disposisyon pou l kapab fè respekte kouvrefè an e arete tout moun ki pa respekte mezi sa yo desisyon. Et qui l'a apprendu, s'il vous plaît? La police pas l'arrêter. Quand tu vas le mettre dans qui prison? Vous savez des gens qui ont mouru pendant le dernier temps là. Vous savez des gens qui ont disparu. La police faut pas explication. Parce que dans Delma 19, la police juste vu la machine et ramasser jeune garçon ou pas jeune garçon. On suspend tout, on a fait vieux couteau. Oui. Avec dit qu'on y a là n'a déployé force pour respecter couvre-feu puis tandis que les populations après la moins sécurité nous pas de moins à la côté bay chef coquin ce pays d'Haïti Jean ministre pour un petit bout de temps venu pendant qu'il y a diverses réunions qu'a fait pour formation conseil présidentiel transition dans pays d'Haïti Jean Caricom te promet ça dans tête collée à diverses autres pays tant que États-Unis Canada Mexique et Brésil dans l'idée pour sortir Haïti dans situation insécurité sans pareil li trouvé là moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole Merci Yves toujours dans pays d'Haïti toujours dans dossier politique à gagner et supporters fanatiques et amis premier ministre Ariel Henry qui a même sorti dans silence d'après sa correspondant dans Port-au-Prince dit nous Massiado Vilme Premier ministre Ariel Henry qui quitte pays depuis 25 février passé a pour t'aller participer dans 46e réunion ordinaire chef l'État et gouvernement pays CARICOM yo dans pays Guyana avant pour te rendre li dans pays Kenya côté il t'aller finaliser avec autorité pays Est Afrique là pour déploiement une force multinationale. Dans date 29 février, un mouvement armé déclenché dans capitale là pour réclamer démission gouvernement. Pendant les Porto Rico, Premier ministre Ariel Henry annoncé gouvernement lien a démissionné tout de suite. Après conseil transition installé. Dr. Ariel Henry a fait déclaration ça à travers une vidéo pré-enregistrée qui publié 11 mars passé. Quelques supporters premier ministre démissionnaire dit c'est un kidnapping qui fait sous chef gouvernement. Je ne sais pas quoi, chef d'État pays, premier ministre pays, je y a là, pour blanc inviter, et puis pour blanc prendre maintenant un otage, et puis nous laisser conseil présidentiel qui va venir diriger le pays. Jusqu'à présent, moi-même, je connais avec qui. Aïe, papi ou confuse? Papi confuse dans un. Les confuse! À la traque. Kidnapper puis faire le bail d'émission. Pour rappeler à l'Ural, il y aura une contrôle le pays. Pour que le premier ministre pas qu'il vienne à Kali, même l'État décide de bail d'émission. Pour le bail d'émission à Kali. Je condamne l'international là. Je condamne le secteur privé. Ah, ça c'est mon Ariel, yo. Dat n'pas ouais, yo sous chan masse.
Tete ou? Nous condamnons la classe politique qui fait un kidnapping sous PM. Nous même n'a réfléchi parce que les que bon date tu as fait kidnapping sous peuple là depuis 30 mois. Au fond tu kidnapping sous tout. Ah, I love my country, hein. On États-Unis kidnappe PM là, c'est pas n'importe puissance qui kidnappe PM là. Wow. Laisse à nous même nous gagne pour écrire. Même gens que droit convention que nous signons, on a fait ce que de droit, on a fait suite nécessaire pour écrire tout instance nécessaire pour nous dire que son kidnapping nous fait sous PM. N'a pas dit américain, tant pris, n'a pas étagé nous dans le pion, voyez nous combien de d'être là. Nous, même en tant que j'ai la bataille, n'a pas été tête ensemble pour nous, si nous avons sauvé Haïti, si nous avons délibéré d'un côté. Si vous voulez, vous sortiez. Oh, ouais, papi de homme, mon yon vie, ouais, papi. Aïe, partisan, rien à Rio. Plusieurs te yote caché, quand yote. Depuis plus pas son mois, m'a joué. Quand ma se ado joué, yon, monsieur. Papi de yo, y a payé les États-Unis, y a payé kidnapping, nous tellement fort dans payé kidnapping. Ouais, qu'on y a là, mais n'a dit les États-Unis kidnappent Ariel, nous n'a payé comme là pour libérer, n'a bail rançon. Hey, mais pays, attendez, on avance ces belles garçons. Citoyen sa yo fait déclaration ça nan moment la police a troqué konyo ak bandi k'ap chercher prendre contrôle périmètre palais national là selon ça nouvelle yo fait konnen. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia pour filmer, pour le voir crier. Merci Massia. Toujours dans le cadre de réaction par rapport à la crise qui a saccagé le pays d'Haïti, il y a l'ancien premier ministre Evans Paul qui plaidait en faveur d'une rencontre au niveau avec le pouvoir judiciaire, avec le membre du conseil présidentiel désigné, avec l'autre acteur important pour joindre une solution par rapport à la crise politique. L'ancien premier ministre Evans Paul, tu es dans le micro et devant la caméra, correspondant dans Port-au-Prince, ou dans Toussaint. Ok. Je pense que Gontipa. Eh, Kaplim. Les professionnels du chaos. Ouais. Parler qui pour faire entre les personnes directement concernées. Mm-hmm. Qui monde qui directement concerné, bon gouvernement en place quand même. Mm-hmm. Gagne moun non au cité qui pour faire partie conseil là. Et gagne moun cour de cassation. Que moun ça réuni pour regarder au regard de la loi, de la constitution et des intérêts fondamentaux du pays. Aïe. De la complexité de la situation. Bel français. Meilleure route pour nous. Ouais, moi même pas tant comme dadou là, m'pas partisan pour me dire m'partisan conseil, m'partisan un coup de cassation. Moi penser coup de cassation paraît plus logique. Mais soumettre coup de cassation à tout pas bon arrangement, pas tellement même beaucoup sens sur ça, ou pas bon entente et puis population pas reconnaître la donne. C'est pas bail résultat parce qu'on pas capable. Bon temps dans depuis quelques temps pour nous mettre peuple à dehors dans politique. OK. Pour moi accord. Si me font accord, ça bon droit pour pouvoir. Accord pas bon droit pour pouvoir. Accord, c'est des mondes qui entendent mieux sous en position, mais faut aller chercher légitimité bon côté peuple. Mm-hmm. Alors je dis à nous une situation difficile, dramatique. Moun pas qu'à manger, moun pas qu'à dormir la caillou. Moun a courir à droite, courir à gauche. Y a une instabilité, y a une incertitude qui m'a donné une logique, un sentiment patriotique pour nous essayer d'apprendre chemin qui pi bon et qui pi coûte là. Ancien premier ministre haïtien Evans Paul était dans micro et devant caméra correspondant nous dans Port-au-Prince Renan Toussaint. Et puis jeudi à ce jeudi nous gain rendez-vous avec Cause Femme avec Jude Dewansre qui lui-même pral présenter nous un paquet mesdames qui joignent distinction dans Floride. Mm-hmm. Célébration fête femme pas qu'au fini dans l'État Floride. Vendredi se passé là, sous l'audience Asian American Chamber of Commerce, cette femme haïtienne de recevoir Women's Achievement Award année 2024 là, dans le cadre cérémonie annuelle organisation. Mounsayo, c'est Dr. Nadia Assad pour travailler dans le domaine social, Dr. Geneviève Colastin, professeur l'école, Shedley Casseus Pantner, conseiller académique, Marie-Paul Woodson, député dans l'État Floride, Stéphanie Sius Zamis, entrepreneur, Martine Pierre Paul, qui c'est manager dans yon banque, Jean Martin Dubuisson Sénégal, qui travaille dans le domaine finance, mais qui parle présent, li bloqué dans le pays d'Haïti à cause avion qui pas volé, li te représenté par deux petites filles. Dans finissement soirée, nous te parlé avec Jenan Saint-Fleur, qui c'est vice-présidente Chambre Commerce là. Nous demandons sous qui base yo choisi mesdames yo qui honoré Anessa. Ah,
7 moun sa yo pou yo honore parce que m konnen m bal gen an pil moun ki pa di comment fè pa honore c'est pas Jenan ki choisi nou gen un comité nan chambre de commerçant ki assure li ke li suiv travay moun travay ke moun n'ap fè a pas seulement travay sou aptitude de sou sa ke l kapab fè ou bien sou intelligence li mais pou sa ke li même li baye nan communauté ki sa ke li baye nan kòl Véra Creole te parle tout avec Stéphanie Sius Zamis ki te youn nan moun ki te resevwa l honneur respect nan soirée a nou te mande l pou te ba nou plus détail sou activité l nan communauté an. Moi c'est directrice générale de l'Is Tropical SA qui sont une entreprise qui en Haïti premièrement qui a fait des produits à base d'ingrédients haïtiens, nous fait confiture, nous fait bonbons, nous fait épices. Donc nous gon paquet mesdames, bien que nous gen quelques garçons oui, mais nous gen à 80% femmes qui a travaillé avec nous et qui a créé des produits et produits ça yo non seulement yo bay mesdames yo travail yo aider famille yo mais nous contribuer tout à cultivateur yo aider yo planter plus parce que produits nous prend yo nan main yo pour nous faire transformation par nous yo li gon impact sur communauté haïtienne qui aux États-Unis qui au Canada parce que produits nous yo vinn joine yo et nous gain très prochainement des produits qui pral fait États-Unis et plus particulièrement mais qui a toujours des produits haïtiens faits avec des ingrédients qui mettaient en valeur culture noire. Non parmi divers monde qui te viennent chita participer dans cérémonie Sony t'es tombé d'accord pour bay opinion dans micro Véra Creole. Moi venir pour me supporter yo parce que sans femme nous pas ca vivre. Sans femme qui maman nous, sans femme qui petite nous, sans femme qui m'attend nous que si a célébrer moi gain force pour me venir là pour me supporter yo. Parce que y a fait ça qui bon dans la communauté haïtienne en Floride. N'a signalé que soirée a été finie en musique avec Donny Félix à la guitare avec Gabi Kangé qui tape chanté. Non pam, c'est Jude Onsré pour Véra Creole dans ville Tamarack et à Floride. La personne, baba, et nous pourrons quitter diaspora, nous pourrons aller dans la ville Okaï, côté, yon trentaine prisonniers jouent libération, yo, dans le cadre d'une audience spéciale, parquet Okaï, là, t'es organisé. Dans la prison civile, là, yon reportage, Jean-Ernst Eliscar. Dans une audience spéciale qui t'est déroulée dans la prison civile Okaï, parquet Okaï, libéré, yon trentaine prisonniers, commissaire gouvernement Okaï, là, maître Conal Richemont, fait qu'on est, situation qui a évolué chaque jour dans la capitale haïtienne, la cause responsable prison civile au Kay, gen gros difficulté pour jeune manger pour bay prisonnier ou cap souffri avec une série maladie. On y a là nous m'a goumé pour m'a goumé contre détention préventive prolongée et actuellement là pays a une situation intenable. Donc prison pas gen manger, donc son green boy a manger bonjour, pas gen médicaments, pas gen de l'eau par rapport à blocage gen dans pays. Nous-mêmes, en tant que commissaire gouvernement, qui a une responsabilité première dans la prison, nous avons cherché moyen pour que nous mettions dehors tout le monde qui a gagné des infractions. Et pour infraction, c'est des infractions mineures. C'est ça qui fait que nous sommes là. Chef paquet Okaïla, M. Conal Richemont, a tout profité de l'occasion pour lancer appel à les commerçants dans la ville Okaï pour aider à rejoindre manger avec de l'eau pour les prisonniers. Le message que nous avons lancé, c'est pour les commerçants Okaï ou bien c'est la société civile là, parce que nous, quand on est Port-au-Prince bloqué, c'est Port-au-Prince qui va manger. C'est eux qui veulent manger. À manger, pas pour rentrer. Les médicaments, pas pour rentrer. Les prisonniers sont dans une situation vraiment difficile. Donc, c'est un boy par jour. Un boy, un grand boy par jour. Et puis, ils sont là. Boule farine. Un grand boule farine. Fresse avec poids. Seulement, bon parce que pas qu'ils manger. Mangé. Donc, manger pas qu'à rentrer. Donc, tout le monde qui a porté mes fortes par les prisonniers au Caillou, bon, c'est porté. Parce que nous, nous faisons tout ce qu'on peut pour que les prisonniers ne soient pas évasés dans la ville de Caillou. Mais si les prisonniers là, tout fait au Caillou de manger, fait au Caillou de l'eau. Donc, tout le monde qui est capable de porter mes fortes à les prisonniers qui sont dans la juridiction au Caillou, dans la prison au Caillou, donc, on fait ça. Parce qu'on a porté plus de 900 prisonniers. Gagne à qui a voué, gagne contre qui a voué, et gagne au cas qui a voué, ça a été nous plusieurs, et nous souhaitons que les commerçants qui sont dans le cas, le secteur privé, la mairie, tout le monde est capable d'aider les prisonniers aujourd'hui à qui ont une situation difficile. N'absent aller, prison civile au cas, gagne plus passé 800 prisonniers, alors que prison a été faite pour 70 personnes. Jean-Ernst Eliscar, VOA Creole, au cas.
Et puis, il y a un dernier reportage. Il y a un YouTuber américain, en parlant de Addison Pierre Malouf, tourné la Cali aux États-Unis hier mercredi, dans un vol spécial que les États-Unis ont organisé pour Américains qui bloquaient en Haïti. Il y a un reportage, Gérard Maxino. Après 22 jours passés en Haïti, YouTuber américain Addison Pierre Malouf tourné mercredi 3 avril 2024 là, la Cali aux États-Unis, dans un vol spécial que les États-Unis ont organisé pour Américains qui bloquaient en Haïti. Moun te capable remarquer YouTuber qui accompagné de un policier qui t'a fait des marches dans l'aéroport au Caplan pour te quitter pays après le te fin de jouer libération nan madi par la justice. Malouf te vin entrer dans salle embarquement l'aéroport au Caplan côté un responsable voyage a te mandé pour le pas parler avec la presse ni poster en rien jusqu'à ce qu'il arrive aux États-Unis. Sous compte X li, YouTuber a remercié tout le monde qui aide et fait connaître ses pouvoirs réseaux sociaux qui permettent lui jouer liberté. Après que chef gang le mort sans jour t'est fini libéré, Addison Pierre Malouf t'est rentré au Cap Haïtien à bord d'un hélicoptère. Il t'est venu jouer une arrestation après plainte que propriétaire d'une machine qui était louée t'est porté contre lui. Bout de tête, li pat paye machine nan, kel te kite Port-au-Prince après kidnapping li an. Commissaire gouvernement au Cap-Blanc te libéré après yon entente ak met machine si la. YouTuber nan micro VOA Creole te déclaré Haïti son bel pays, mais il regrette di fait que mauvais zangi ap sal réputation. The people of Haiti are amazing. This country is beautiful. Okay, it has been ruined by gangs and corrupt politicians, that is what I have realized. Okay. I came here to see if it could be fixed by a man who is leading that. Gérard Maxino, Cap Haïtien, pour VOA Creole. Merci, garçon. Et c'est avec dernier reportage ça que nous avons mis fin dans le programme. Nous voulons dire que gagne un groupe croissance dans le pays d'Haïti qui a réalisé et dans Miami, État Floride, première édition sommet international finance dans diaspora en collaboration avec Profit Development Consulting avec cabinet Friendly Julien. Et nous au capable suivre sur et page nous yo un entretien que nous t'ai avec ingénieur Jean-Marie Altema qui est directeur exécutif et Profiter. Merci pour attention nous, merci pour fidélité. Nous c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous et te servir ou pas oublier pic gros point cap dominé actualité internationale là, c'est dialogue, sa conversation téléphonique ça que président Joe Biden t'a gagné avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu côté que leader américain mandé un cessez-le-feu rapido presto dans Gaza et pour protéger les civils qui dans Gaza. Mes amis, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous servir. Nous remercier Sibas Zamino, par contre qui est derrière. Moi merci gentil Augustin Junior, Jean-Marc Hervé Abela, Fred Kaimit, même si lui il travaille quand même et puis tout l'autre monde. Moi c'est Jacques Lambelizer. Bonsoir et à demain. Moi je vous remercie parce qu'on t'a suivi avec attention. Merci pour fidélité ou avec patience. Moi problème m'a quitter on bras papa bonché parce que c'est lui même celle qui est capable de protéger ou bon la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas monsieur Foucault, rendez-vous cassé demain matin et 7h hein, pour journal tout haïtien connecté. Bisous, bisous, one love.